Ok, bienvenue dans cette nouvelle vidéo les amis. Aujourd'hui, petite update, je vous montre un petit peu où j'en suis de mon TC01. On regarde un petit peu. On a fait quasiment A, B, C. Tu vois, chez Tamiya, c'est rangé en sachet. Et ça donne ça. Ça donne ça. Les diffs sont mis en place. Le cerveau, je ne l'ai pas reçu, donc je ne l'ai pas encore mis. On a les pièces là qui vont dessus. Ça va aller genre là. Ça va aller genre là. Tu vois, ça va donner un truc un peu comme ça. Clac. Donc là, j'en suis quasiment au sachet D. Ok. On est parti, comme je l'avais indiqué, sur un rush 17 tours 5. Le problème, c'est que moi, je voulais mettre un hobby-wing, comme ça, le 10BL 120. Sauf que, il ne rentre pas ici. En gros, là, j'ai dû mettre un TBL 04S, TBLE 04S, tu vois, ici. Parce que, alors, le hobby-wing, j'aurais pu enlever le ventilo. Il y en a qui vont me dire, ah, il fallait enlever le ventilo et tout pour qu'il soit moins haut. Mais ce n'est pas que un problème de hauteur. En fait, il était un petit peu trop large. Il rentrait ni d'un côté, ni de l'autre. Problème de largeur. Il y avait quelques millimètres, donc j'aurais pu forcer, j'aurais pu limer des trucs pour arriver à le rentrer, mais j'avais pas envie de limer quoi que ce soit. J'avais une autre solution, c'est qu'ils te fournissent pour mettre, je crois que c'est ici, là, une plaque que tu peux mettre là, pour mettre ici ton récepteur. Parce que moi, le récepteur, je l'ai mis là. Dans la notice, normalement, le récepteur il va là, le variateur il va là. Et du coup, tu as une plaque si ton récepteur est trop gros de pouvoir le mettre ici, là-dessus. Donc j'aurais très bien pu coller mon variateur aussi là-haut. Après, il aurait été haut perché et j'aurais eu tous les fils apparents. Et ça, je voulais pas. Moi, j'aime bien quand c'est bien propre. Ok. Donc là, quand on va installer du coup cette partie-là ici, ça sera super propre niveau des fils. On ne verra plus grand-chose. Tu vois. Là, j'ai encore le petit interrupteur. Je l'ai pas mis parce que je vais devoir le placer quelque part ici. Enfin bref, voilà où on en est. Donc, tu vois, les triangles inférieurs, ils sont bien calés. Ils n'ont pas de jeu. Chose notable là-dessus, qu'est-ce qu'on peut noter? C'est que c'est vraiment bien ajusté, je trouve. On a partout les roulements ici, on a des petites rondelles là, des toutes petites rondelles d'ajustement qui viennent se mettre, qui fait que les cordes diff là, ils bougent vraiment pas. C'est vraiment, vraiment bien ajusté, je trouve. Tu vois là, tu n'as aucun jeu, tu peux pas le faire bouger, tu n'as pas de jeu. Du tout, c'est très très bien ajusté. Les différentiels, ils sont tout petits, les dents là-dedans en plastique, là, les petits satellites, les petits planétaires, ils sont minuscules, mais je pense que ça fait le taf. C'est tellement bien ajusté dedans que ça me paraît vraiment bien. Qu'est-ce qu'on avait de choses à noter là-dessus? Bah, c'est monté sur des boules, mais c'est des boules en métal qui sont là-dedans, tu vois, là. Des boules en métal, donc je pense que ça prendra quand même moins de jeu que les trucs style TT02, TT01. On a par exemple ça, au lieu d'avoir le truc avec la clé ici que tu vas venir visser sur ça, et ben en fait là tu viens ajuster comme ça, et si tu veux du coup élargir pour pouvoir du coup te mettre un petit peu de pansement devant, et ben tout simplement tu vas venir mettre une cale, une petite cale en plastique là-dedans, et tu vas venir le visser, tu auras exactement le même chose des deux côtés, donc ça c'est pas mal. Tout est sur roulement, hein, tout est sur roulement là-dedans et tout. La seule chose qui n'est pas sur roulement, et je pense bon, c'est un petit peu dommage, ils auraient pu quand même, c'est ici là au niveau de la direction. Pourquoi ils n'ont pas mis des roulements à billes là, hein? Ils auraient pu quand même, c'est dommage. Après, à part ça, franchement, il est vraiment top ce truc. Il me paraît vraiment bien. Tu vois ici. Tout ça, les renvois là pour les suspensions, parce que tu auras les amortisseurs qui vont être ici. Donc lui, je pense qu'il va être à peu près comme ça, je pense. Tu vas avoir l'amortisseur qui est là. Ça va venir pousser. Non, ça va être dans l'autre sens. Ça va être ici et ça va venir pousser ça là. Donc tout ça ici, c'est monté sur roulement là. Donc ça, c'est vraiment bien foutu. Tu peux mettre en option du coup ici les barres anti-roulis. Donc voilà. Voilà où on en est, voilà ce qu'on pouvait dire là-dessus. Tu vois, en fait, tu fais des jeux comme ça et tu les mets, les biellettes, tu les mets entièrement serrées. Et ça donne ça à la fin.
Et si tu veux les élargir un petit peu, du coup, tu mets des rondelles entre chaque, ce qui fait que tu auras exactement le même truc des deux côtés. Donc voilà, le sauve-cerveau, du coup, c'est bien du sauve-cerveau renforcé en métal. Donc c'est l'option renforcée. Ça, c'est bien. Tu as des petits trucs, des petites cales, des petits trucs en polyuréthane, là, des petits trucs bleus, là, tu mets au fond, ici, tu vois. Il va falloir que j'en mette partout là-dedans. Et ça sera du coup bien ajusté pour les cardans pour qu'ils ne bougent pas. Donc voilà. Donc c'est un petit peu dommage que j'ai dû mettre un petit variateur comme ça, mais bon, c'est pas grave, ça fera le taf. Voilà. Que dire d'autre? Je voulais aussi vous parler du coup du challenge. Le challenge, n'hésitez pas. J'espère que tu dois quand même commencer à avoir un petit peu de beau temps pour pouvoir le faire. Ce serait bien de pouvoir le faire, ce challenge. J'ai eu quelques retours. Vous avez vu, je ne vous ai pas encore affiché les temps. Ça, je ferai le classement à la fin. Mais essayez de battre ce temps. C'est 5 tours à faire. Je rappelle, le challenge, c'est ça. C'est je vous place les plots. Retour en voir la vidéo que je t'affiche là, quelque part à côté de ma tête. Tu retournes voir cette vidéo, tout est expliqué. Et puis tu vas t'en sortir, tu vas faire 5 tours avec ta Tamiya. C'est l'occasion franchement de sortir vos Tamiya. Il y en a, ils les ont sur des étagères, ils les utilisent pas. Moi franchement, je trouve que c'est dommage. Moi j'aime bien les rouler, donc n'hésite pas à sortir ta petite Tamiya et puis te faire ce petit chrono tranquillou. Ok, allez, je vous laisse là-dessus. Ciao.